Jeff Bezos l'un des hommes les plus riches du monde. Amazon a surpassé tout le monde dans le e-commerce. This is Blue Moon. It's time to go back to the moon, this time to stay. Jeff Bezos, l'homme aux multiples casquettes. Le célèbre fondateur d'Amazon.com et de nombreuses autres entreprises prospères s'est fermement établi comme l'une des personnes les plus riches de la planète. Grâce à son intelligence aiguisée et à sa détermination inébranlable, Jeff Bezos est devenu un personnage de premier plan parmi les hommes influents. Né le 12 janvier 1964 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis d'Amérique, il est venu au monde sous le nom de Jeff Preston Jorgensen. Sa mère, Jacqueline Jorgensen, née Gise, n'avait que 17 ans lorsqu'elle a donné naissance à son premier fils, avec son mari de l'époque, Ted Theodore Jorgensen, qui n'avait que 19 ans à l'époque. Plongeons maintenant dans la vie fascinante de cet homme extraordinaire. Les parents de Jeff Bezos. Jacqueline Gise, Bezos. Jacqueline Gise est une citoyenne américaine d'origine mexicaine. Elle est née au Nouveau-Mexique de Lawrence Preston Gise et de Mattie Louise Stray, et elle a un frère appelé Lawrence Preston Gise Jr. Theodore Jorgensen était d'origine danoise et américaine, mais il est né à Chicago dans une famille baptiste. Après avoir terminé ses études secondaires, il décide de suivre des cours du soir pour subvenir aux besoins de sa famille. On dit que pendant cette période, il emmenait parfois le jeune Jeff en classe avec lui. Environ 17 mois après la naissance de Jeff, ses parents se sont séparés et il est parti avec sa mère. Consciente de sa responsabilité en tant que mère, elle souhaitait vivement terminer ses études secondaires. Cependant, sa première rencontre avec l'administrateur de l'école l'a découragée, car elle a été informée qu'elle n'était pas autorisée à poursuivre ses études. « Cela n'avait aucun sens pour moi, alors j'ai insisté, et j'ai continué à le faire. » L'école a fini par céder. Elle m'autorisait à revenir à l'école, mais à certaines conditions, raconte Jacqueline. Ces règles étaient dures et déshumanisantes. Première condition. Je devais arriver à l'école et la quitter dans les 5 minutes qui suivaient les sonneries d'entrée et de sortie. Deuxième condition. Je ne pouvais pas parler aux autres élèves. Troisième condition. Je ne pouvais pas déjeuner à la cafétéria. Quatrième condition. On m'a dit que je n'aurais pas le droit de traverser l'estrade avec mes camarades de classe pour recevoir mon diplôme, raconte-t-elle. Malgré tout, Jacqueline s'est pliée à l'exercice, a persisté et a obtenu son diplôme. Elle a trouvé un emploi de secrétaire puisqu'elle suivait des cours de secrétariat l'après-midi. À l'époque, son salaire s'élevait à 190 $ par mois, somme qu'elle a utilisée pour emménager dans son propre appartement avec son fils Jeff, un endroit où elle n'avait pas les moyens de s'abonner au téléphone. Comme les parents de Jacqueline voulaient parler à leur fille tous les jours, son père lui a installé un talkie-walkie et lui a demandé de prendre de ses nouvelles tous les jours à 7 h. Déterminée à poursuivre ses études, Jacqueline s'est inscrite à des cours du soir et a choisi ses cours en fonction du professeur qui lui permettait d'emmener son bébé avec elle. « Je me présentais avec un enfant et 2 sacs de sport, l'un était rempli de mes livres et l'autre de couches, tissus, couches, biberons », a déclaré Jacqueline dimanche. Le second sac contenait des objets susceptibles d'intéresser Jeff pendant quelques minutes. C'est dans l'un de ces cours que Jacqueline a rencontré son futur mari, Mike Bezos, un réfugié cubain. Miguel Mike Bezos. Lorsqu'il est arrivé de Cuba à l'âge de 16 ans, il était non seulement seul, mais il ne parlait que l'espagnol. Son courage, sa détermination et son optimisme sont une source d'inspiration, a tweeté Jeff Bezos à propos de son père en mai 2019. Mike est arrivé seul aux États-Unis à l'âge de 16 ans, sans parler l'anglais. Ses parents l'ont envoyé chercher une vie meilleure à la suite de l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro, et il s'est retrouvé parmi des milliers d'autres adolescents réfugiés de Cuba. Il a été autorisé à emporter très peu de choses. 3 chemises, 3 paires de pantalons, 1 paire de chaussures et 1 veste fabriquée à la main qui est aujourd'hui un héritage familial. Après un séjour dans un camp de réfugiés en Floride, Mike a été envoyé à Wilmington, dans le Delaware, pour y faire ses études secondaires.
Il apprend l'anglais en même temps qu'il étudie. Il obtient de bonnes notes et finit par obtenir une bourse pour étudier à l'université d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique, une opportunité qui lui permet de rencontrer Jacqueline Gies et son jeune fils. Mike et Jacqueline se sont mariés en 1968, après avoir obtenu leur diplôme universitaire, et la famille a ensuite déménagé à Houston, au Texas, où Jeff a été officiellement adopté en tant que fils de Mike et a reçu son nom de famille, Bezos. Jacqueline et Mike ont deux autres enfants, Mark et Christina Bezos. Mark Bezos est né le 17 mai 1968. Il a fondé sa propre entreprise, Bezos Natanson, qui a ensuite été rachetée par East West Creative en 2005. Il est marié, a quatre enfants et est pompier volontaire pendant son temps libre. Avec son célèbre frère Jeff, Mark s'est rendu dans l'espace dans le cadre de la mission NS-16 de Blue Origin le 20 juillet 2021. Christina Bezos est née en juillet 1969 et est l'une des co-directrices de la fondation de la famille Bezos. Elle est mariée à Stephen Poore, directeur du conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif. Un autre parent qui a beaucoup influencé Jeff Bezos est son grand-père maternel, Lawrence Preston Gies, directeur régional de la Commission de l'énergie atomique des États-Unis, AEC, à Albuquerque. Monsieur Lawrence s'est retiré très tôt dans le ranch familial près de Cotulla, au Texas, où Jeff a passé de nombreux étés dans sa jeunesse. Jeff l'appelle souvent « Pop » lorsqu'il parle de lui. Lors d'une table ronde du Summit là avec son frère Mark Bezos en 2017, Jeff a déclaré que son grand-père, Lawrence Preston Gies, lui avait transmis une compétence commerciale essentielle qu'il a utilisée à maintes reprises tout au long de sa carrière. La débrouillardise. J'ai passé tous mes étés dans son ranch de l'âge de 4 à 16 ans et il était incroyablement autonome, a déclaré Jeff Bezos. Vous vous débrouillez tout seul. Enfant, je l'ai vu résoudre tous ses problèmes et être un véritable spécialiste de la résolution de problèmes. Plus tard, Jeff a acheté ce ranch et l'a agrandi, passant de 25 000 à 300 000 acres. Les débuts de Jeff Bezos. Jeff Bezos a fréquenté l'école primaire River Oak à Houston de la 4e à la 6e année. Pendant l'été, il travaillait au ranch de son grand-père, où il réparait des éoliennes, posait des tuyaux, vaccinait le bétail et effectuait d'autres travaux agricoles. Jeff Bezos a toujours été un petit garçon intelligent et plein d'esprit lorsqu'il était à l'école primaire River Oak. À l'âge de 12 ans, il a fait l'objet d'un livre intitulé « Turn on Bright Minds ». Apparent Look at Gifted Education in Texas. Ce livre décrivait Jeff Bezos comme une personne sympathique mais sérieuse, qui n'était pas particulièrement douée pour le leadership. Cependant, ce rapport s'est avéré faux aujourd'hui, car Jeff est devenu un leader unique qui a réussi à bâtir une entreprise d'un milliard de dollars. Enfant, Jeff jouait au football et devint rapidement le capitaine de l'équipe parce qu'il était le seul à se souvenir de tous les jeux. Il rêvait de devenir un entrepreneur de l'espace et disait souvent à ses professeurs que l'avenir de l'humanité ne se trouvait pas sur cette planète. À l'âge de 16 ans, Jeff a accepté un emploi d'été pour faire frire des hamburgers chez McDonald's en 1980. Bien qu'il n'ait pas apprécié l'expérience, il en a tiré de précieuses leçons. Selon Jeff, travailler chez McDonald's pendant son adolescence lui a appris des leçons que l'école n'a pas pu lui donner. Il souligne l'importance de ne pas sous-estimer la valeur de telles expériences. C'est à cette époque que Jeff a appris comment traiter les clients. La famille de Jeff a déménagé en Floride et il a été transféré à la Miami Palmetto Senior High School, où il a excellé dans ses études et s'est rendu compte de sa passion pour les ordinateurs. Il a même été invité à participer au programme de formation scientifique des étudiants de l'Université de Floride, où il a remporté le Silver Knight Award en 1982 et a été lauréat du National Merit Scholar. Bezos a obtenu son diplôme en tant que major de sa promotion et boursier du mérite national, ce qui lui a permis d'entrer à l'Université de Princeton. Sa thèse est summa cum laude, avec distinction, de l'Université de Princeton en 1986 avec une moyenne de 4,2 et un Bachelor of Science in Engineering, BSE, en génie électrique et en informatique. À Princeton, M. Bezos était également membre de Phi Beta Kappa, la plus ancienne société d'honneur universitaire des États-Unis. Il était membre des clubs de restauration de Princeton, dont le Quadrangle Club, et a été élu à Tau Beta Pi, la plus ancienne société d'honneur des ingénieurs. Il a également été président du chapitre de Princeton de l'association Student for the Exploration and Development of Space, étudiant pour l'exploration et le développement de l'espace. Jeff Bezos. Mariage et enfants. Avant de devenir Madame Bezos, Mackenzie Cherie Tuttle aspirait à devenir romancière. Née le 7 avril 1970 à San Francisco,
Elle a ensuite fréquenté l'université de Princeton, où elle a eu le privilège de suivre l'enseignement de Toni Morrison, lauréate du prix Nobel de littérature. Après avoir obtenu son diplôme, elle a posé sa candidature à un poste dans la société de gestion d'investissement des Point.show, où elle a croisé la route de Jeff Bezos. Mackenzie travaille en tant qu'associée de recherche, tandis que Jeff occupe le poste de vice-président. Il est intéressant de noter que Jeff a été la première personne à faire passer un entretien à Mackenzie, car ils étaient tous deux diplômés de Princeton et travaillaient dans la même entreprise. Alors qu'ils deviennent voisins de bureau, Mackenzie ne peut s'empêcher d'être captivée par le rire contagieux de Jeff. Dans une interview accordée à Vogue, elle se souvient avec émotion. « Toute la journée, j'ai écouté ce rire fabuleux. Comment ne pas tomber amoureux de ce rire ?» Dès le début, Jeff savait qu'il voulait épouser une femme pleine de ressources, c'est pourquoi il avait les yeux rivés sur Mackenzie, mais il hésitait à passer à l'acte. Cependant, c'est Mackenzie qui a pris l'initiative d'inviter Jeff à déjeuner. Leur relation est indéniable et, 3 mois plus tard, ils sont fiancés. En 1993, 6 mois seulement après leur première rencontre, ils se sont mariés. C'est alors que Jeff a parlé à sa femme de son idée d'entreprise. Mackenzie a déclaré que, bien qu'elle ne soit pas une « femme d'affaires », elle pouvait entendre la passion dans la voix de son mari lorsqu'il parlait. Ils ont quitté leur emploi en 1994 et se sont rendus à Seattle pour créer ce qui allait devenir Amazon. Mackenzie a joué un rôle important dans les premiers succès d'Amazon. Elle a été l'une des premières employées de l'entreprise, en a été la comptable et a participé à l'élaboration de son premier plan d'affaires. Selon le magazine WeRead, jusqu'en 1999 environ, le couple vivait dans une maison locative d'une chambre à coucher à Seattle. Mackenzie a toujours eu pour priorité de déposer ses enfants à l'école et, plus tard, Jeff au travail, utilisant la Honda familiale pour resserrer les liens entre les membres de la famille. Danny Yis, un ami de la famille, a déclaré à Vogue que « les Bezos sont une famille tellement normale et soudée que c'en est presque anormal ». Jeff et Mackenzie ne dévoilent pas la vie de leurs enfants. Seul le nom de Preston, leur fils aîné, est connu du public. Il est né en 2000 et a donc environ 23 ans. Peu de détails sont connus sur les 3 autres enfants plus jeunes, y compris leur nom et leurs années de naissance. Jeff et Mackenzie ont adopté leur fille en Chine, mais on ne sait pas quand. La famille suit également une routine assez normale. La famille Bezos commencerait la journée par un petit déjeuner sain. Afin de passer plus de temps avec sa famille, Jeff n'organise jamais de réunion tôt le matin chez Amazon. J'aime lire le journal, j'aime prendre un café et j'aime prendre mon petit déjeuner avec mes enfants avant qu'ils n'aillent à l'école, a déclaré Jeff Bezos. En ce qui concerne l'éducation de leurs 4 enfants, Mackenzie a déclaré à Vogue qu'ils avaient essayé toute une série de stratégies, notamment les voyages hors saison, les expériences scientifiques en cuisine, l'incubation de poulets, les cours de mandarin, le programme de mathématiques de Singapour et de nombreux clubs et sports avec d'autres enfants du voisinage. Mackenzie est aujourd'hui romancière. Lorsqu'elle a besoin d'écrire, elle se retire dans son petit appartement, où elle écrit jusqu'à ce qu'il soit temps d'aller chercher les enfants à l'école. Mackenzie a confié à Vogue que son mari était son « meilleur lecteur ». Il laissait toujours tomber d'autres projets pour lire et relire ses manuscrits, en particulier son premier roman, « The Testing of Albright ». Bien qu'ils aient des personnalités différentes, ils se complètent. Il aime rencontrer des gens. C'est un homme très sociable. Pour moi, les cocktails peuvent être éprouvants. La brièveté des conversations, leur nombre, ce n'est pas ce que j'aime le plus, dit-elle. Jeff adorait acheter des vêtements pour Mackenzie. Parfois, je l'appelle et je lui dis « Quelle est ta taille ?» Et elle me répond « Pourquoi ?» Et je lui dis « Ce ne sont pas tes affaires. » Cela l'enchante. Jeff Bezos a également terminé sa soirée en faisant la vaisselle, ce qui est très apprécié. En ce qui concerne l'éducation de ses enfants, il leur donne le même conseil que celui qu'il donnerait à n'importe quel jeune. Soyez fiers de vos décisions, pas seulement de vos capacités. Avec Mackenzie Scott, il a fait une apparition publique lors de la première de Star Trek aux côtés de leurs 4 enfants. L'aîné des enfants de Bezos, Preston, l'a également rejoint lors du gala American Portrait qui s'est tenu à la Smithsonian National Portrait Gallery en 2019, où le père et le fils ont partagé un sourire pour une photo. Bien que Bezos et Mackenzie aient annoncé leur séparation en 2019 après 25 ans de mariage, ils continuent de coparentaliser. Dans le cadre du règlement du divorce, Scott a reçu une participation de 4% dans Amazon,
qui à l'époque était évalué à environ 36 milliards de dollars, ce qui en fait le deuxième divorce le plus coûteux de l'histoire. Tous deux sont rapidement passés à autre chose. Jeff est actuellement fiancé, tandis que Mackenzie s'est mariée avec Dan Jouette en 2021, mais ils ont divorcé en janvier 2023. Jeff Bezos. Premières expériences professionnelles. Jeff Bezos s'est lancé pour la première fois dans l'entrepreneuriat alors qu'il était encore au lycée. Il a créé un camp d'éducation pour les élèves de 4e, 5e et 6e année, appelé « l'Institut du rêve ». Il fait payer $600 et obtient 6 inscriptions. Après avoir obtenu son diplôme à Princeton, il a rejeté des offres d'emploi d'Intel et de Bell Labs et a accepté l'offre de Fitel, une start-up de Wall Street spécialisée dans les télécommunications fintech. Pour ce travail, il devait prendre l'avion chaque semaine entre New York et Londres. « Ce n'est pas la bonne façon d'organiser une jeune entreprise », a-t-il déclaré à WeRed en 1999. Il a rapidement gravi les échelons et a fini par obtenir un poste de responsable du développement et de directeur du service clientèle. Après avoir consacré plus de 2 ans à l'expansion de l'entreprise, il a finalement décidé de saisir de nouvelles opportunités et de changer d'entreprise. Jeff Bezos est parti et a assumé le rôle de chef de produit chez Bankers Trust, aujourd'hui une division de la Deutsche Bank. Mais Jeff s'est lassé de Bankers Trust et, après seulement 2 ans, il a accepté un poste au sein du fonds spéculatif des points ou points chauds, alors âgé de 2 ans, où il est devenu l'un des vice-présidents de l'entreprise en seulement 4 ans. En tant que vice-président, Jeff Bezos a été chargé de rechercher de nouvelles opportunités commerciales sur l'Internet en pleine expansion, qui présentaient un potentiel énorme au début des années 1990. Jeff Bezos. L'entrepreneur. Jeff Bezos a remarqué que l'Internet était en plein essor et qu'il avait un potentiel de croissance de 2300% à la fin de l'année 1994. Il a donc mis en œuvre son plan de vente de livres en ligne. Le 5 juillet 1994, Jeff Bezos se lance dans le commerce électronique à Seattle, dans son garage, avec sa femme Mackenzie et 2 programmeurs. Il a d'abord baptisé sa société Cadabra, mais a changé le nom parce qu'il sonnait comme cadavre au téléphone. Il l'a ensuite rebaptisé Amazon, d'après le fleuve d'Amérique du Sud. Jeff a accepté $300 000 de ses parents et de 22 autres investisseurs pour créer Amazon. Les premiers résultats d'Amazon dépassent ce que Jeff avait imaginé, même s'il y a des concurrents, Jeff maintient la croissance d'Amazon. En 1998, Bezos a élargi l'entreprise en y ajoutant la vente de musique et de vidéos. Plus tard dans l'année, il a pris quelques mesures supplémentaires pour vendre une gamme diversifiée de produits de consommation. En 1999, Amazon s'est déjà imposé comme la plus grande plateforme de commerce électronique au monde. Mais il ne faut pas oublier que l'entreprise a connu des hauts et des bas. Un exemple notable est celui de la fin de l'année 2002, lorsqu'Amazon s'est trouvé au bord du gouffre en raison de ses dépenses excessives. Cependant, Amazon a rapidement redressé la barre en 2005 avec le lancement de son service d'adhésion Prime. Cette offre, qui a changé la donne, a permis aux clients de bénéficier de ventes et de livraisons plus rapides pour un large éventail d'articles, propulsant les ventes d'Amazon vers de nouveaux sommets. En 2021, nous comptons plus de 200 millions de membres Amazon Prime dans le monde, ce qui témoigne de l'immense popularité du service. L'histoire de la réussite ne s'arrête pas là. En février 2018, Amazon a fièrement annoncé le bénéfice trimestriel le plus élevé de son histoire, soit un montant stupéfiant de 2 milliards de dollars. À peu près au même moment, Forbes a couronné Jeff Bezos, le cerveau d'Amazon, comme l'homme le plus riche de la planète, avec une valeur nette stupéfiante de 112 milliards de dollars. C'est le jackpot. Et les bonnes nouvelles continuent d'affluer. Entre 2020 et 2021, le bénéfice net d'Amazon a grimpé de 84%, atteignant un chiffre d'affaires époustouflant de 386 milliards de dollars. On peut dire sans risque de se tromper que les performances financières d'Amazon sont tout simplement extraordinaires. Au 2 avril 2024, la valeur nette d'Amazon s'élève à 1,88 billion de dollars. Oui, vous avez bien lu. Avec des chiffres aussi astronomiques, il est clair qu'Amazon s'est fermement imposée comme une puissance mondiale dans le secteur du commerce électronique. L'acquisition de Whole Foods par Amazon en 2017 a été une décision stratégique qui a permis à l'entreprise de se développer sur le marché des magasins en dur et d'exploiter la clientèle fidèle de Whole Foods, composée de consommateurs à hauts revenus et soucieux de leur santé. L'intégration de Whole Foods dans l'écosystème d'Amazon a permis aux clients d'acheter facilement des produits en ligne et à la chaîne d'épicerie d'utiliser les services de livraison d'Amazon.
Cette acquisition a également permis à Amazon d'expérimenter de nouvelles technologies telles que le magasin sans caisse Amazon Go, ce qui a donné à l'entreprise un avantage unique sur ses concurrents. Jeff Bezos, animé par sa passion de toujours pour l'exploration spatiale, a pris la décision audacieuse de créer une nouvelle société appelée Blue Origin. Lancée en 2003, Blue Origin est une société de vols spatiaux dont le siège se trouve à Kent, dans l'état de Washington, et dont le nom latin, Gradatim Ferocite, signifie « pas à pas, férocement ». Peu de gens savent que Jeff Bezos vend chaque année pour $1 milliard d'actions Amazon pour investir dans Blue Origin. New Shepard, New Glenn et Blue Moon sont quelques-uns des vaisseaux spatiaux que Blue Origin a construits avec succès. La société a construit jusqu'à présent 5 moteurs fusées réutilisables, appelés BE1, BE2, BE3, BE4, BE7, etc. Jeff Bezos a élargi son champ d'action en annonçant le 5 août 2013 qu'il avait acheté le Washington Post pour $250 millions en espèces. Il a apporté des changements et des améliorations considérables au Post après avoir déclaré qu'il en était propriétaire et, en l'espace de 3 ans, le trafic web du Washington Post a doublé et le contenu est devenu plus convivial pour le web. Il a également embauché de nombreux journalistes et triplé le personnel technique du journal, ce qui a permis à ce dernier de contourner son principal concurrent, le New York Times. Les milliardaires Jeff Bezos et Yuri Milner financent une jeune entreprise de biotechnologie, Alto Lab, qui se consacre à l'inversion du vieillissement. L'entreprise a été lancée aux États-Unis et au Royaume-Uni en 2021 et a levé plus de $270 millions. Elle explore la technologie de reprogrammation cellulaire avec des experts tels que le Dr Shinya Yamanaka et le Dr Juan Carlos Ispizu à Belmonte. Alto Lab n'est pas axé sur les revenus, mais sur la découverte potentielle de traitements anti-âge efficaces. Jeff Bezos a fondé en 2005 une société à responsabilité limitée, LLC, appelée Bezos Expedition, dont le siège se trouve à Mersey Island, dans l'état de Washington, pour gérer ses investissements personnels en capital risque. La société dispose de différentes équipes chargées de gérer d'autres processus d'investissement, et il a réalisé quelques investissements rentables par l'intermédiaire de cette société. Le nom, Expedition, est approprié puisque Bezos investit dans une grande variété de secteurs tels que la biotechnologie, la fintech, l'informatique en nuage et la technologie de la santé. Bezos Expedition a réalisé des investissements philanthropiques remarquables dans le Centre d'innovation du Musée de l'Histoire et de l'Industrie de Seattle et le Centre Bezos pour la dynamique des circuits neuronaux. Parmi les meilleurs investissements de la société figurent Twitter, Uber, Airbnb, Stack Overflow, Workday, General Assembly et Business Insider. Bezos Expedition opère en tant que Single Family Office, SFO, et dispose d'une équipe dédiée de 159 employés, dont des analystes financiers, des analystes de risque et des experts du marché, qui gèrent les investissements en capital investissement et en capital risque de Bezos, avec des actifs sous gestion estimés à $107,8 milliards. Jeff Bezos. Ses projets infructueux. Personne ne réussit du premier coup. Il faut parfois essayer beaucoup de choses pour trouver son créneau. Jeff Bezos n'est pas différent puisqu'il a tenté de nombreux projets à travers son géant du commerce électronique Amazon qui ont échoué, mais il n'a jamais abandonné. J'ai fait des milliards de dollars d'échecs chez Amazon.com, a déclaré Jeff lors d'une interview avec Henry Blodget à la conférence Ignition 2014 de Business Insider. Littéralement, des milliards de dollars d'échecs. Vous vous souvenez peut-être de Pay.com ou de Cosmo.com. C'était comme recevoir un traitement de canal sans anesthésie. Rien de tout cela n'est amusant. Mais cela n'a pas non plus d'importance. En 1999, Amazon a acquis une participation de 50% dans Pay.com et a contribué à un tour de table de $50 millions pour l'entreprise de fourniture pour animaux de compagnie, mais celle-ci a fait faillite en 2002. Selon le New York Times, Amazon a investi au moins $60 millions dans Cosmo.com. Ce détaillant en ligne, qui promettait une livraison rapide en une heure, a fermé ses portes après seulement quelques années d'activité. En décembre 2010, Amazon a investi $175 millions dans Living Social, un concurrent de Groupon. Living Social s'est développé rapidement, mais a connu des difficultés lorsque le secteur des offres quotidiennes a ralenti. L'entreprise a tenté de changer d'orientation en vendant des billets d'événements et en organisant ses propres événements, ce qui lui a coûté $4 millions. Malgré ses efforts, Living Social a été racheté gratuitement par Groupon en octobre 2016. Aven, une co-entreprise entre Amazon, Berkshire Hathaway de Warren Buffett et JP Morgan Chase, est une entreprise de soins de santé créée en 2018.
Elle visait à améliorer les services de santé et à réduire les coûts d'assurance pour les employés et leurs familles au sein de ces trois entreprises, avec la possibilité de s'étendre à d'autres employeurs américains. Aven a eu du mal à atteindre ses objectifs et a connu plusieurs changements à la tête de l'entreprise au cours de son existence relativement brève. En janvier 2021, Aven a annoncé qu'elle fermerait ses portes en février 2021, sans révéler le montant exact de l'investissement d'Amazon. Jeff Bezos et la politique. Selon les dossiers publics de financement des campagnes électorales, Jeff Bezos a manifesté son soutien aux campagnes électorales de Patty Murray et Maria Cantwell, toutes deux sénatrices démocrates de Washington. Il a soutenu les représentants démocrates John Conyers, Patrick Leahy et le républicain Spencer Abraham, qui sont des sénateurs américains siégeant dans des commissions chargées des questions liées à l'Internet. Après l'élection présidentielle de 2016, Jeff a reçu une invitation à rejoindre le Defense Innovation Advisory Board de Donald Trump, un conseil consultatif visant à améliorer la technologie utilisée par le Département de la Défense. En 2019, un comité d'action politique associé à Jeff Bezos a dépensé plus d'un million de dollars pour tenter, en vain, d'empêcher la réélection de Kshama Sawant, membre du conseil municipal de Seattle et activiste. Amazon et ses filiales dépensent beaucoup d'argent pour faire du lobbying auprès du Congrès et du gouvernement fédéral. Elles s'efforcent de convaincre les législateurs de ne pas adopter les projets de loi de la Chambre des représentants et du Sénat visant à réglementer les pratiques commerciales controversées de la Silicon Valley. En 2021, Amazon a investi environ 19,32 millions de dollars dans le lobbying tout au long de l'année civile, dépassant son précédent record annuel de dépenses de lobbying de 18,9 millions de dollars en 2020. Au cours du second semestre 2022, les dépenses de lobbying d'Amazon ont atteint 20,3 millions de dollars. Ceci fournit un compte-rendu plus détaillé des engagements politiques de Jeff Bezos et des activités de lobbying d'Amazon. Jeff Bezos. Un amoureux de l'aventure. Âgé de 57 ans, Jeff Bezos aime les aventures insolites, qui vont des longues promenades à cheval à la plongée au fond de l'océan, en passant par l'exploration de grottes, les promenades en traîneau à chien dans l'Arctique et les voyages dans l'espace. Accompagné de son père, Mike, et de son frère, Mark, Jeff Bezos a parcouru 80 km à cheval. « Trois jours, très amusant, j'ai eu mal aux fesses », a déclaré Jeff Bezos lors d'un entretien avec son frère Mark, à l'occasion d'un événement de Leadership Summit en 2017. En 2013, Jeff, son frère Mark, son beau-frère Steve et ses parents ont passé 30 jours en mer à récupérer des pièces du moteur du vaisseau spatial Apollo 11, qui a emmené les premiers hommes sur la Lune. Nous avons vu un pays des merveilles sous-marins, un incroyable jardin de sculptures de moteurs F1 tordu qui raconte l'histoire d'une fin ardente et violente, une histoire qui sert de testament au programme Apollo, a écrit Bezos à propos de cette expérience. En 2017, lors d'une interview avec son frère Mark Bezos, Jeff a partagé des photos de lui descendant en rappel de plusieurs centaines de mètres dans une grotte. Accompagné de leur beau-frère, Steve, de l'ex-femme de Bezos, Mackenzie Scott, et d'un ami, les deux frères ont pris une photo de groupe au fond de la grotte, où ils sont entourés de stalagmites. « C'était un voyage formidable », a déclaré M. Bezos. « Vous n'avez pas à vous soucier de consulter votre téléphone. Il n'y a pas de signaux radio en bas. » Pour célébrer la journée de la Terre en 2018, Jeff Bezos a partagé une vidéo de lui tirer derrière six chiens à travers une forêt enneigée dans l'Arctique. Traîneau à chiens au-dessus du cercle polaire arctique dans le nord de la Norvège, a écrit Jeff. L'astronaute d'Apollo Jim Lovell dit que ce n'est pas que vous allez au paradis quand vous mourrez, mais vous allez au paradis quand vous naissez. La Terre est la meilleure planète de notre système solaire, et de loin. Nous allons dans l'espace pour sauver la Terre. Le 20 juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont montés à bord de l'Eagle d'Apollo 11 et sont entrés dans l'histoire en devenant les premiers hommes à se poser sur la Lune. En 2021, une nouvelle aventure spatiale épique nous attend. Jeff Bezos, accompagné de son frère Mark, du légendaire aviateur Wally Funk, âgé de 82 ans, et du jeune prodige de la physique Oliver Damen, s'est envolé pour le premier vol habité de New Shepard. C'est une journée exceptionnelle. Ce voyage hors du commun a décollé des installations très exclusives de Blue Origin dans l'ouest du Texas. La fusée a franchi la barre des 100 km, soit plus de 340 000 pieds, avant de revenir gracieusement sur Terre quelques minutes plus tard. Vous imaginez l'émotion? L'ensemble de la mission, du décollage à l'atterrissage, a duré environ 10 minutes, mais pendant ces précieux instants, l'équipage a ressenti la sensation époustouflante de l'apesanteur pendant environ 2 minutes. Jeff Bezos lui-même l'a décrite comme l'apogée de son existence, le plus beau jour de sa vie.
Qui pourrait le contredire? Ce n'est pas tous les jours que l'on peut flotter dans l'espace. Les amis de Jeff Bezos. Les célébrités participent à de nombreuses fêtes, dîners et rencontres sociales, si bien qu'il devient difficile de distinguer les amis proches des connaissances. Jeff Bezos a été vu à plusieurs reprises en compagnie d'une liste exclusive de célébrités. Jusqu'à quel point sont-ils proches? Jeff a été vu à de nombreuses reprises en compagnie de Barry Diller et de sa femme, Von Furstenberg. Des camps d'été pour célébrités aux excursions en yacht, Barry Diller est le président et le cadre supérieur d'IAC et le cadre supérieur d'Expedia, INC. Ils ont récemment été vus en train d'explorer Venise ensemble sur le yacht de Von Furstenberg. David Geffen est l'un des fondateurs de DreamWorks et a créé un certain nombre d'autres entreprises, telles que Geffen Records. Geffen possédait un luxueux manoir jusqu'à ce qu'un ami l'achète. Bezos a récemment acheté le manoir de Geffen à Los Angeles. Jamie Dimon et Jeff Bezos se sont rencontrés lors d'un déjeuner en 1997. Une amitié est née et plusieurs projets d'entreprise ont vu le jour depuis cette rencontre. Jeff avait en fait proposé à Dimon un poste chez Amazon, qui à l'époque n'était pas l'entreprise qu'elle est aujourd'hui, et Dimon a refusé. Monsieur Dimon indique qu'il a beaucoup appris de Monsieur Bezos et d'Amazon, ce qui a révolutionné la façon dont il dirige JP Morgan. Lauren Sanchez est la fiancée de Bezos. Elle l'a peut-être fait sortir de sa coquille. Il a été rapporté qu'il ne se mêlait pas aux stars avant le début de cette relation. Sanchez est une présentatrice de journaux télévisés et une personnalité de la télévision récompensée par un Emmy Award, elle est donc à l'aise sous les projecteurs. Jeff Bezos. Le philanthrope. On a reproché à Jeff Bezos d'être avare en dons d'argent. Cependant, selon la dernière liste Philanthropie 50, qui classe les 50 plus grands donateurs américains, compilée par la Chronicle of Philanthropy, il a fait plus de dons caritatifs que n'importe qui d'autre aux États-Unis en 2018. En 2012, il a donné 2,5 millions de dollars pour défendre le mariage gay à Washington, 200 millions de dollars au Smithsonian, 100 millions de dollars à la Fondation Obama, au chef José Andrés et à l'activiste Van Jones. Bezos fait des dons au Centre de recherche sur le cancer Fred Hutchinson et s'est engagé à verser 500 000 dollars à l'ONG World Reader, créée par un ancien employé d'Amazon. En janvier 2018, Jeff Bezos a fait un don de 33 millions de dollars à The Dream, un fonds de bourse d'études destiné aux immigrants sans papiers amenés aux États-Unis alors qu'ils étaient mineurs. Toujours en 2018, Jeff et son épouse Mackenzie Scott ont lancé le Bezos Day One Fund, qui se concentre sur le financement d'organisations à but non lucratif existantes qui aident les familles sans abri et la création d'un réseau de nouvelles écoles maternelles à but non lucratif de niveau 1 dans les communautés à faible revenu. Il a également fait un don au Breakthrough Energy Venture Fund de Bill Gates, qui vise à promouvoir l'énergie sans émissions. Le 17 février 2020, M. Bezos a annoncé qu'il lançait le Bezos Earth Fund pour lutter contre les effets potentiellement dévastateurs du changement climatique. Tout en s'engageant à verser 10 milliards de dollars à cette initiative, Jeff a déclaré qu'il commencerait à octroyer des subventions et des fonds à des scientifiques, des activistes, des ONG, tout effort qui offre une réelle possibilité d'aider à préserver et à protéger le monde naturel. La même année, il a offert 690 000 dollars pour aider l'Australie à se remettre des pires feux de brousse de son histoire. La richesse de Jeff Bezos. Selon l'indice Bloomberg Billionaire Index, Jeff Bezos possède une valeur nette de 198,9 milliards de dollars au 2 avril 2024, ce qui fait de lui le deuxième homme le plus riche du monde. Il possède un jet privé Gulfstream G650R par l'intermédiaire de sa société, Poplar Glen, qui lui a coûté 65 millions de dollars. En février 2020, Jeff Bezos a acheté le Jacques Warner Estate à David Geffen pour 165 millions de dollars. Le manoir, construit dans les années 1930 par Jacques Warner, cofondateur de Warner Brothers, présente une architecture de style espagnol. Il est également propriétaire du Y721, un superyacht de luxe construit par Oceano pour plus de 500 millions de dollars. L'énorme navire de 417 pieds appelé Coru a été vu en mer du Nord pour la première fois en mars 2023 lors de son test initial. Récompense honorifique reçue par Jeff Bezos. Jeff Bezos a reçu de nombreuses récompenses prestigieuses pour ses capacités entrepreneuriales exceptionnelles, ses efforts philanthropiques et ses contributions innovantes. En 1999, 2008 et 2012, il a été récompensé pour son leadership exceptionnel et son sens des affaires par Time, US News et World Report et Fortune, respectivement. Le prix Axel Springer. En 2018, il a reçu un prix pour son travail caritatif avec sa femme,
McKenzie, où ils ont fait don d'une bourse d'études de 33 millions de dollars pour aider les immigrés sans papier. Bezos a également été honoré par le Musée national de l'air et de l'espace avec la médaille du bicentenaire James Smithson pour ses contributions en tant qu'orateur. L'université Carnegie Mellon lui a décerné un doctorat honorifique en technologie et en sciences en 2008, et The Economist l'a récompensé pour son invention du Kindle d'Amazon en 2011. En 2012, la National Retail Federation a désigné Amazon comme le plus grand détaillant de l'année, ce qui a valu à Jeff Bezos une médaille d'or pour ses réalisations dans le secteur. Jeff Bezos. L'auteur. Jeff Bezos est un grand auteur qui inspire les gens à poursuivre leurs rêves au lieu de craindre d'échouer et d'échouer à essayer. Il est l'auteur d'un livre intitulé Avant End Vendeur. Il s'agit d'un recueil d'écrits de Jeff, à la fois intéressant et technique. Il contient les lettres annuelles que Jeff a envoyées aux actionnaires d'Amazon entre 1997 et 2019. Dans le même temps, le livre aborde divers sujets tels que ses débuts modestes, les grands obstacles qu'Amazon a surmontés avec succès et sa soif inextinguible d'explorer l'espace. Jeff Bezos est un homme qui a prouvé qu'une fois qu'il s'est fixé un objectif, il ne peut plus revenir en arrière. Il a bâti un empire de commerce électronique d'$1 billion, récupéré des pièces du vaisseau spatial Apollo dans les profondeurs de l'océan et s'est même aventuré dans l'espace. Il repousse constamment les limites et n'abandonne jamais, même lorsqu'il est confronté à l'échec. Malgré son image de patron strict, c'est en fait un entrepreneur décontracté et motivé, un père dévoué, et bien plus encore. Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner, liker et partager sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos publications. À très bientôt sur Mazael Media, l'information au cœur de l'action.